Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel. Je pense que vous allez voir beaucoup de changements, même le nom de la chaîne YouTube a changé, on va aussi recevoir des invités occasionnellement, enfin on va vraiment essayer de vous faire un format de vidéo complètement différent. Kevin, je te mets ça où? Bah, où tu veux, pose ça au fond là-bas. Pose ok. Au fond. Donc comme je vous disais, vraiment on va essayer de changer ça du tout au tout, le décor a changé, le nom de la chaîne YouTube a changé. Les personnes qui vont présenter ont changé, le format de vidéo a changé. Donc on va vraiment essayer de vous faire un truc super qualitatif. Pendant que, ben, vous voyez, en fait, un déménagement. Il y a tout simplement un déménagement qui est en train de se produire. Avec une magnifique table qui est en train de s'installer derrière. Je pense que vous allez le reconnaître. Coucou, ça va ou quoi? Fort bien, et toi? Mais merci de l'invitation. Mais pas de soucis. Je suis invité ou je suis juste un... Je sais pas, du coup. Je serai là toujours? Je pense, ouais, je crois, non hein? Ok, on bon. Est là pour quoi en fait? Donc on est là, bah, simplement je pense vous pour vous présenter les box du mois de septembre. Les quatre différentes box, la médium, l'ultra léger, la big bait et la box mère. Exactement. Et on va vous faire ça, bah, écoutez, tous les deux. Et bah c'est parti. C'est parti. Let's go. On commence directement par là, allez, ouais, si. Par ouais, la box UL. Si. Ouais, box UL. Oui. Box UL du mois de septembre. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons, mon très cher Amine? Mais qui, d'abord, qui était chez nous cette... D'abord, qui était chez nous ce mois-ci? Quelle marque? Eh bien, au niveau des marques, il y avait quand même du prestigieux ce mois-ci. Il y avait du Westin, il y avait du Crazy Fish, il y avait du Castec, il y avait du Black Flag et il y avait du Adams. Et ben voilà. Donc ça fait du truc sympathique au niveau de la box ultra léger. Il y a quand même pas mal de Crazy Fish. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'on fera des gros plans directement avec des jolis plans sur les box, mais il y avait du Nano Mino de chez Crazy Fish. Il y avait du Polaris qui marche très 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 bien. En drop shot et tout, c'est vraiment terrible. Il y avait du Kazari, toujours pareil, de chez Crazy Fish pour aussi. Pour le Black Bass. Carrément, Black Bass Cheven. T'avais aussi DTP. Vous avez aussi, dans la box UL, encore un petit leurre de Westin, le Ricky The Roach. Exactement. Qui bah, ira très bien, tout simplement, pour la perche. C'est vraiment un leurre bien sympathique. Une tuerie. Et ensuite, il y avait un joli petit crankbait de chez Westin. Et ça, vous l'avez vu dans Perche Fight, pour ceux qui regardent sur YouTube. Ah yes, il était dessus, ils prennent vraiment du très très beau poisson avec. En effet. Ensuite, on va passer, écoute, la box médium. Exactement. Et dans la box médium, pour moi, je pense que c'était la box la plus fournie de ce mois-ci. Ouais, elle est vraiment sympa. Vraiment une super box. Exactement. Et il y avait encore du Crazy Fish. C'est le tout, le tous, le tout. Bref, en fait, personne ne sait comment il s'appelle. Mais... C'est ça, exactement. Et en fait, il nage vraiment bien, moi, qui l'ai testé. Vous savez que j'étais chez Crazy Fish avant. Et franchement, il nage bien en texan. Mais de toute façon, je vous montrerai comment l'animer. Pour continuer, on a le chat tease de chez Westin. Donc ça, c'est du petit chat très sympathique pour faire à peu près tout. Exactement. Ensuite, t'as le Castec Jerky G Super Soft. C'est un nom très, très... compliqué. Mais tout ça pour dire que c'est un leurre finesse. Exactement. Il pêche vraiment bien, clairement, surtout en texan. Voilà, pour pêcher le black bass, le brochet, un peu toutes les espèces. Et aussi en mer, ça marche bien. C'est ça. Ensuite, on avait, pareil, un petit crank de chez Westin avec un coloris qui est juste magnifique. Ça, je pense que pour la perche, ça va vraiment être sympathique. Et bien évidemment, pour armer vos leurres, il faut forcément DTP. Et là, c'est Westin qui vient avec DTP 10 grammes en 3-0. C'est donc ça. Il y en a 3 dedans, c'était très utile. Et avec le petit ergo en plus. En plus. Ensuite, on va passer directement à la box Big Bait, donc comme d'habitude, la plus lourde. Quand tu dis lourde, tu penses à moi? Non, pas forcément, mais pourquoi pas. Non, mais après, faudrait qu'on se pèse sur une balance pour moi. On pourrait essayer. Donc la box Big Bait du lourd. Cette fois-ci, juste du lourd, pour dire, donc, Westin, clairement, avec un truc que je trouve vraiment très très joli, c'est le Monster Vibe de chez Westin. Une tuerie. Un gros gros spinner, enfin juste énorme, vraiment, je pense qu'avec ça, vous allez faire péter des brochets. Exactement. Pour ma main, Fishing Man Addict, si vous connaissez ça, c'est le Chat Tease, une tuerie pour pêcher le brochet. Hâte de vous le montrer, et de vous montrer la nage, comment ça s'anime, etc. Carrément. Ensuite, on passe donc chez Castec. Tout à l'heure, vous aviez la petite version, là, vous avez la grosse version des Jerky G. En texan, c'est juste énorme pour brocher, cendre aussi. On peut pêcher le cendre avec des brûleurs. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, bien évidemment, pour armer vos leurres, on vous a mis des screw-ins, c'est-à-dire que c'est des têtes plombées à visser directement sur le leurre. Exactement, et à y rajouter un montage chalot. Un montage, c'est ça, un montage chalot la plupart du temps. Tout à fait. Hop, oula, ça fait du bruit. Ensuite, pour finir, il y a la box mère. Et la box mère, elle était aussi faite pour toutes les autres techniques. Ouais, c'est ça qui était intéressant ce mois-ci. Carrément. Eh ben... Alors, on va commencer directement dedans. Allez, je commence. Crazy Fish Nano Mino en
5 pouces. En 5 pouces, ouais. Leurre vraiment très très sympathique. Comme a dit Amine, ça peut marcher pour tout. Exactement. Vous pouvez pêcher autre chose qu'en mer avec ça. Mais comme on a remarqué, c'est des coloris très naturels qu'on a mis. Carrément. Donc effectivement, ça marche vraiment bien pour la mer. Ensuite, il y avait Black Flag, c'est une marque italienne qui a fait son entrée. Et franchement, le Slick Shad, vraiment pas mal du tout. Très très souple avec un attractant. Vous pouvez tout pêcher avec. Ah, carrément, c'est vraiment tout, tout, tout. Carrément. Ensuite, on va continuer avec le Polaris. Vous l'aviez dans la box UL. Là, vous l'avez dans la box mer, en drop shot, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment un très, très, très bon. Pas confondre avec le drop shot. Parce que ça fout la merde. Et ensuite, on a le Castec Jerkidji, mais le swim cette fois-ci. Donc en fait, c'est le même corps que le Jerkidji, mais sauf que celui-là, il a une paddle. Donc vraiment très intéressant. Moi, je l'ai testé, toi aussi. Ouais. Avec en plus grosse taille, et ça déchire tout. Et ensuite, on a un truc vraiment sympathique qui nous vient aussi de chez Crazy Fish, c'est le kit Lead Flex System. Donc je pense que vous le verrez, il y a en fait des plombs séparés, enfin des plombs avec des agrafes et des hameçons séparés qui va vous permettre en fait tout simplement d'adapter le plomb et l'hameçon à votre leurre sans avoir besoin de changer de tête plombée à chaque fois. Donc c'est vraiment terrible. Tout à fait. Moi je te laisse finir hein, parce que j'ai autre chose à faire. Ouais bah après manière faut que tu finisses du coup d'emménager. Je pense qu'il va peut-être falloir mettre des étagères ou enfin après bon on fait comme tu veux. Ouais bah on va voir. Donc pour finir rapidement, on vous le rappellera jamais assez, je pense qu'on vous le dit à chaque fois, à l'intérieur de chaque Fisher Box vous avez un petit fascicule comme celui-là et à l'arrière vous avez tout simplement des codes promo dont un code promo de 30% voilà, directement sur notre e-shop. Donc ça vous permet par exemple, je sais pas, si ce leurre-là vous a plu, bah, de pouvoir le racheter avec 30% de réduction directement sur notre e-shop. Donc je pense que ça pourra toujours être sympathique. Ensuite, l'autre petit point, c'est l'application WinLab qui est téléchargeable directement sur votre téléphone, donc Android ou iOS, sur le Play Store ou sur l'Apple Store. C'est un truc dans le genre. L'Apple Store, exactement. L'Apple Store, c'est ça. Ou là-dessus, en fait, vous pourrez nous donner vos commentaires tout simplement. Donc, vous téléchargez l'application, vous tapez le code TFP en majuscule et vous pouvez nous laisser un commentaire, nous dire ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai aimé, Castec, j'ai aimé. Enfin, voilà, c'est vraiment en fait pour nous faire des retours là-dessus. Là-dessus, je pense qu'on a tout dit. Amine, tu veux nous faire une petite fin ? Fin. Hein ? C'est juste la fin. Non, j'espère que vous allez kiffer ce nouveau système. C'est ça. Et cette nouvelle façon de filmer. Ouais. Avec Kevin, ça faisait longtemps. Ouais, c'est clair, oui, c'est clair, ça faisait vraiment longtemps. Parce qu'en plus, on vous a pas dit, Amine va vous faire plein de petites vidéos en plus. Enfin, vous allez voir sur la chaîne YouTube, on vous laisse le petit suspense. Je pense que vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Exactement, il y aura des intervenants, il y aura. On va faire plein de trucs. Il y aura des tutos vidéo pour animer tous les leurres qu'il y a dans la box. Donc ça va vous plaire. Carrément. Kevin, là-dessus, on se quitte. C'est ça, on se quitte et on se dit bah très bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Tchuss tout le monde.